Lenguaje y comunicación, curso primer nivel, profesoras, nos gagan Alice Rojas y Nicole Banda. C'est deux professeurs ça, qui dictaient matière lenguaje y comunicación en curso primero, primero A, primero B, primero C, jusqu'à primero G. Ça veut dire que si toutefois, ou même ou dans le premier B, ou à transmettre Guia Paola by professeur la Nicole Banda, mais si toutefois, ou dans le premier F ou dans le premier G, mais ou à transférer Guia Paola by Alice Rojas. Pour nous capables de faire Guia ça, j'en ai toujours dit, nous mettons non, non, et puis curso, et puis date. Ça, c'est Guia 6. Guia 6, c'est un Guia qui a participé dans l'évaluation pour premier trimestre 2021. On allait dans item 1 hein, pour voir qui, comment nous pouvons remplir Guia ça. Et tout ça, c'est ça nous avons dans la classe là, avec le professeur Yo, qui travaille avec nous. Il a parlé non, surtout des émissoles, des récepteurs, des códigos, mensajes, canal, contexto. Ça veut dire, nous connaissons qui ça qui ont émisseur, qui ça qui ont récepteur. Et dans item 1, première question qui est au banon, il a dit que Francisca está en su casa. Il écrit un WhatsApp à Mario. Il dit que mañana necesita hablar con él. Ça veut dire, nous pouvons analyser notre texte, qui est-ce qui récepteur, qui est-ce qui émissol. Un exemple très clair, mon qui voyait message là, qui donc, lui, c'est un émissol. C'est le même qui émet message là. Et mon qui recevoir là, c'est un récepteur, c'est un récepteur. Ainsi de suite. Ça veut dire, on a bien pour nous faire question 1, question 2, question 3, question 4, jusqu'à question 6 dans item 1. Prends ça nous pour nous lire tous les fragments ça, que nous trouvons en l'air. C'est à partir des fragments, on a fini lire et puis nous allons analyser. Texte et puis devant émission là, on a écrit qui est-ce qui. Émissol, qui est-ce qui réceptol? On comprend? Et nous pouvons aller dans item 2. Comment nous pouvons faire ça? Dans item 2, là, il y a des espaces côté pour nous capables à remplacer des mots. Il y a dans item 2, il y a quelques fonctions. Par exemple, il y a émotive, appellative, référentielle, poétique, métalinguistique, orphatica. Dans l'espace là, écrivez en la pizarra. Aula. Là, vous pouvez dire est-ce que c'est émotive, ou bien c'est appellative, ou bien c'est poétique, etc. Là, vous mettez ça qui est bon là. Vous faites ça pour 13 questions qui en est dans item DA. Vous remplacez qui fonctionne lié. Par exemple, ahi est-ce qu'on tilde? Si c'est une fonction émotiva, vous mettez émotiva. Eh bien, si c'est une fonction appellativa tout, vous écrit appellativa. Tout ça, nous travaillons dans la classe, nous connaissons déjà, nous avons tout ça dans le cahier, nous avons seulement étudié et puis remplacé. Make sure que lorsque nous faisons ça, nous comprenons ce que nous faisons. Et ce n'est pas seulement pour nous prendre et puis écrire, parce que nous, la cahier, nous avons accès à tout matériel, mais chercher compréhension. Parce que l'objectif, c'est pour nous capables de comprendre des thèmes. Nous pouvons aller dans item 3. Item 3, qui c'est des définitions. Des définitions de plusieurs mots. Par exemple, mon nous en l'air.
Mon déterminant, par exemple, qui te parlait des émissoles, récepteurs, canal, etc. C'est même mot ça, yo banon définition, yo, et puis nous-mêmes, nous avons seulement metté qui mot lié. Par exemple, facteur qui transmet un message, qui s'allie, est-ce que c'est un émissole, est-ce qu'il c'est un récepteur? S'il c'est un émissole, on va écrire émissole. S'il c'est un récepteur, on va écrire récepteur. S'il c'est un canal, on va écrire un canal. On fait ça pour question 1, question 2, question 3, question 4. Si nous avons descendu dans l'item 4 là, item 4 là qui parlait des fonctions. Professeur Alice et professeur Nicole Banda aussi, il a travaillé avec nous sur fonction ça, fonction émotive, fonction appellative, fonction poétique. Ça veut dire nous avons deux exemples de chaque fonction ça. Et il a dit nous que exemple que nous pourrions bailler, ce n'est pas exemple que il a fait avec nous déjà. Ce n'est pas exemple qui n'a qu'à nous. Ou bien c'est pas exemple qui dans l'autre guia, c'est exemple que nous-mêmes nous pour le travail non penser nous et puis pour nous émettre des idées et puis pour nous des exemples des fonctions ça par exemple fonction émotive, fonction appellative, fonction poétique. Tout ça c'est des exemples que nous gagnons dans cahier nous déjà, mais à partir des exemples nous gagnons dans cahier nous pour formuler exemple pas nous. Moi, j'espère que vidéo ça capable servir nous. Moi, je souhaite nous chaque bon travail, bon succès pour le premier trimestre 2021.